Bonjour tout le monde, c'est Nata et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je sais que je suis extrêmement en retard, mais je ne vais pas encore commencer le nouveau jeu qui est sorti. Et je vais vous réserver une surprise pour ça. Je suis encore extrêmement désolé d'être en retard de 2 semaines. Et aujourd'hui, on teste un jeu qui s'appelle Isaac Afterbirth. Donnez-moi juste un instant, pendant que j'essaye. Donnez-moi juste un instant, je vais baisser un peu le son. Voilà. Ça devrait marcher. Maintenant, commençons directement. C'est un jeu où tu peux choisir plusieurs bonhommes. Dans le j'en ai débloqué quelques-uns, mais on va prendre le premier. T'es un gars qui doit tirer des larmes pour battre des ennemis en bougeant comme ça. Et tu gagnes des items qui sont assez cool. Genre lui, là, il faut passer un pic qui va nous faire perdre de la vie. Récupérer 7 items. Je sais pas ce qu'il fait lui, mais j'en connais la plupart. Fait que je vous expliquerai lorsque je sais ce qu'ils font. Commençons. Faut battre les petites mouches au début. Là on a une pilule. On a range up, ça veut dire que nos larmes vont faire... Ils iront plus loin. Ça c'est ce que ça veut dire. Passons par l'autre porte. Aussi désolé pour ma voix, je suis un peu malade et ma voix... Un peu de problème. Donc là on va tuer lui, il tombe en feu. Oups, je savais pas que ça fait faire des dommages. Là on bat le boss. Il passe par des trous, il tire des balles noires et il peut lancer des bombes. Tu peux voir la barre en bas. Oh. Oups, il a envoyé la bombe. Il y a des moments où il peut s'exploser lui-même. Ok. Là, on est presque mort. Oups. C'est presque la fin. Faut qu'on réussisse à le tuer. Ça nous suit. Voilà. Il faut toucher ça 3 fois. Là, il change de trou toujours, il devient des barres. Il tombe dans le feu, tout ça. Oups! On est presque mort, à demi-heure, comment on va le tuer? Ouf! Ouf! Non! Ça commence bien, hein? On va essayer de faire une autre run, juste pour être sûr. Passons par là. Ok, on gagne une carte. La carte, cette carte là, ça fait que pour une salle, tu peux. Wow, ils ont tous mouru dans le feu. Ça fait que tu peux. C'est que tes larmes visent les ennemis. Et. Eux, ils ont des larmes qui visent vu qu'elles sont violettes. Gagner des. Avec cette pilule, ça nous donne des cœurs, de la vie. Ok, je vais garder ça pour le moment. Je vais retourner chercher l'autre après. Là encore lui. Vu que je vise très mal, ça va être assez utile. Après qu'on l'aura tué, on va chercher nos cartes, puis on va aller sur le floor numéro 2. Let's go avec les skills. On esquive ça facilement, on envoie la bombe vers lui.
faire attention avec notre vie. Voilà, il s'est tué avec sa propre bombe. Récupère ça. Ça se donne un HP up. En haut à gauche, vous pouvez voir la vie, puis le space bar item, avoir nos cartes. Et on descend. Tu les petits vers de terre. Et oups, je crois qu'il était mort. Une bombe ici. Caca nous donne des cœurs. Let's go, lol. Ok, une batterie ici pour recharger. Un autre cœur. Ok, ce que je fais, en fait, j'avais la map depuis tout à l'heure à cause de mon... la balle de cristal. Bon, quand même, on a une clé. Zut. Ça va être long à passer. Vu qu'on n'a pas beaucoup de dommages au début, ça va être très difficile à tout tuer ça. Ils sont presque tous morts. Let's go. Un et deux, voilà. Là, il faut juste tuer les vers de terre, facile, facile. Voilà. Là, on peut aller dans la item room avec une clé qu'on avait gagnée tout à l'heure. Ça, ça donne Fear Shot. C'est qu'il y a quelques-unes de nos larmes qui vont être jaunes. Et ça fait que les ennemis qui sont touchés vont être repoussés parce qu'ils auront peur. Oups. Voilà, là on a une pilule qu'on va prendre, je vois c'est quoi. Et au top, ça c'est très bon. Ça nous donne une vie de plus, mais elle est pas remplie. Oh lui, ça c'est un de mes boss préférés que je déteste le plus en fait. Surtout lorsque t'as pas beaucoup de dommages. Toujours prendre son temps à détruire les araignées. Je pense pas que je vais pouvoir survivre ce boss. Voilà. Oh non, là il invoque toujours des araignées. Le truc quand il fait cette attaque, c'est qu'il invoque les araignées qui sont mortes avant. Oups, il réutilise ses balles qui suivent. Il en ressuscite une. J'imagine qu'une stratégie que tu pourrais utiliser, c'est de la garder le plus en vie possible. Si seulement on avait beaucoup plus de dommages que ça. Je vais peut-être... Ce que je vais faire, c'est que si je meurs maintenant, je prendrai un autre personnage. Mais je pense pas que je mourrai parce que regardez là, sa vie vient de descendre au plus bas. Voilà, on va récupérer quelques vies ici. Shot speed up, c'est qu'on tire beaucoup plus rapidement. Avec une carte, je vais pas garder elle, je vais garder ça. On descend en bas au troisième floor. Let's go. Tire des os. Oh, j'ai peur là.
qui vient. Oups. J'avais oublié qu'il mitraillait. Il n'y a pas un cooldown. On utilise la carte. C'est quoi cette carte? On se téléporte ici. J'aimerais bien avoir ça, mais on n'a pas de bombe. Zut. On essaie de passer. Il y a une vie en bas qu'on devra aller chercher. Voilà. On passe par là. On récupère ça. On va retourner prendre la carte. Oups. En fait, cette machine, ce qu'elle fait, c'est que tu sacrifies de la vie pour donner de pour de l'argent. Ce que j'utilise dans mes heures. Ça, c'est extrêmement inutile. Voilà. On passe ici, on reprend la carte. Et là, vu sur la carte, on peut voir que le boss est tout en haut. Oups, je dois arrêter de faire ça. Ça va me faire peur à la fin. On en profitera pour aller au magasin. Oh, j'avais oublié, on pouvait juste viser par là. Il a libéré une pilule, on va essayer de la prendre. Même si j'y pense, ça doit être bizarre de prendre une pilule d'un corps de ver de terre que tu viens de tuer. Ça c'était très bon, on gagne tous les cœurs possibles. J'ai des tests. Oups. Voilà. Enfin, tu sais, foutu vers de terre. Ah non, il reste. Oh, il reste eux. Ils sont censés être faciles, eux. Voilà. On récupère la clé. Et on passe par ici. Oh, je vais passer par le magasin en premier. Récupérer ça, une bombe. Voir s'il y a de l'argent dans le feu, lampe. Donner mon argent dans la donation. Oh, il y a même une secret room. Ok, allons-y. Ah, pourquoi je perds autant de vie? On va essayer de l'avoir comme ça. Ok, tout va. Zut, pourquoi? Phew, j'ai failli sacrifier une bombe ici pour pouvoir avoir un cœur de plus. Je vais utiliser cette carte en premier. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait bientôt. Voilà. Ça tue d'un coup. Prends ça. Non, en fait, je préfère ça. Let's go. Plus bas, on va.
eux, ils vont se régénérer à un moment. Zut. Ça va être lent. Ah, un tué. Un autre. Encore un. Encore un. Allez, come on. Il reste juste là. Let's go. Ensuite, on va récupérer ça de la batterie. On utilise ça maintenant. C'est quoi ça? Ça servait à rien. Avançons ici. On essaie de les tuer. C'est par là. Là, on va. Ok. Bon, là, on est mort. On va essayer de réessayer. Sauf que cette fois, juste pour une petite run, je vais vous montrer, genre de pas longtemps. Je vais vous montrer un bonhomme, mon préféré. Regardez bien ce qu'il fait. C'est genre incroyable. Bon, laser et il vole. Oups, faut quand même faire attention. Aussi, il a des cœurs noirs. Ça veut dire que lorsque tu perds un des cœurs noirs, tu peux pas te soigner d'un cœur noir. Par contre, lorsque tu perds, ce que ça fait, c'est que ça fait fait des dommages à tous les ennemis de la room. Un petit spirit heart. Ne vous inquiétez pas pour les pics, on vole, fait qu'ils nous font zéro dommage. Oups. Par contre, les feux peuvent nous faire des dommages. Oh non, j'ai cru que j'aurais pu tuer l'autre. Voilà, on va dans l'item room. C'est pas pire ça. Moi, ouais, ça va. Je vais vous montrer ce que ça fait lorsqu'on arrive au boss. Là, on va juste tuer les petits corps. Aussi, si le audio est un problème, vous inquiétez pas, j'aurai un micro bientôt. Ok, regardez ce que ça fait. Ça fait extrêmement dommage, puis ça vise partout. Voilà, bon, B. On va charger. Excusez-moi. D'un coup, voilà. Salut tous. C'était le mauvais chemin, évidemment. Désolé, j'avais des contrôles un peu weird. Mourir tous. Sauf un, lui a réussi à survivre. Mais de toute façon, là, il est mort. Let's go. Ah non, on n'a pas de clé pour l'ouvrir. On peut pas. Non. Non, pas lui. Bah, lui, il va être facile. Le problème, c'est ça, les boules. Il l'a envoyé 3 fois, 4 fois. Ça, la dernière fois, il est mort, let's go. Vite plus, on va dans le Deal Devil. Je vais prendre ça. Ok. On a vraiment pas de clé pour pouvoir ouvrir la... Je vais essayer dans la Curse Room. Une carte. Oh oui! Oh yes! On a pu entrer. Je sais pas si je veux ça. Je vais essayer de la reroll avec de l'argent. Non. Too bad. Ah oui, ça c'est bon. Regardez ce que ça fait. Oh, ça marche pas avec ça?
Mais ça sert à rien alors. C'est inutile. J'aurais dû prendre le premier, il était bon. Mais continuons. Normalement, ça tire des cercles de laser partout. Yo, plein d'argent. Passer la battre. Non, oh, zut. À part ce jeu-là, je vais faire deux autres jeux. Un, c'est le jeu que vous attendez tous, Overwatch. Et l'autre, c'est Rocket League. Je suis sûr que vous connaissez. Il y a vraiment beaucoup d'argent sur ce... Non, sérieux, je perds autant de vie. Zut. Là, on est presque mort. Il nous reste juste un cœur, alors faudra essayer de survivre le plus possible. On n'a pas de clé, évidemment. Voir si on peut avoir de l'argent. Non, ok. Voilà, facile à battre. Oh, est-ce qu'on a une clé? Oui, let's go. Je vais aussi essayer de mettre une bombe ici. Ça affecte pas ça, non? Voilà. Hey, on avait la... Ok, je vais là reroll encore avec l'argent. Non. Non, je veux pas accepter un caca. Non, mais sérieux. Je vais voir si on a une bombe de plus ou quelque chose comme ça, parce que c'est pas acceptable ça. Wow. On est à une demi-vie. On devait mourir à ce moment-là. On devait. Mais sinon tout le monde, c'était Alianta, j'espère que vous avez aimé. On se verra pour une prochaine vidéo, sûrement sur Overwatch. Alors à la prochaine.